Le PSG n'a même plus de bête noire. Paris s'est imposé 2-1 hier soir en 8e de finale de la Coupe de la Ligue face à Saint-Etienne. Les Verts n'avaient pas perdu contre Paris depuis mai 2012 et hier soir, le PSG a pu compter sur Cavani, auteur d'un doublé salvateur. L'homme de cette fin d'année au PSG, c'est lui. Ouais, c'est impressionnant. C'est quelqu'un qui sent le but. En plus, c'est quelqu'un qui défend, qui attaque bien sûr, mais qui défend aussi. Il fait les efforts et puis il a la lucidité. Voilà, à la 120e d'être là au bon moment. Et voilà, ça c'est la force des grands. C'est un grand attaquant de classe mondiale, tout comme Zlatan. On a la chance d'avoir les deux et je pense que tout le football français est satisfait d'avoir des attaquants comme ça. Qualifié pour l'écart également, Marseille qui a battu Toulouse, le score de 1, Mendy puis Gignac pour l'OM ont marqué. C'est Spaïch pour le TFC qui a réduit le score. Une qualification pour l'OM et un entraîneur qui ne quittera pas le banc, José Anigola, annoncé après le match. Il reste jusqu'à la trêve et peut-être plus. J'ai parlé avec le président tout à l'heure, on parlait. Et effectivement, je pense que lui, il va prendre le temps pour choisir. Je crois qu'il prendra 5 mois pour choisir un entraîneur. Donc certainement que je serai là à la reprise. Je me dois de répondre présent dans un club qui est aussi ma famille et qui est l'endroit où je m'épanouis. Les autres résultats, ça passe aussi pour Lyon après sa victoire 3-2 sur Reims avec notamment une très belle frappe signée Johan Gurcuff en fin de partie. Et puis côté tirage, voici ce que ça va donner. Bordeaux-Paris-Saint-Germain et Lyon-Olympique de Marseille pour 2 chocs. Également Nantes, Nice et Troyes-Évian, des quarts qui se jouent les 14 et 15 janvier. Fin de partie pour les handballeuses françaises. Les Bleus ont perdu hier soir contre la Pologne à l'Euro. Image de tristesse et grosses larmes dans le vestiaire après la défaite. Des images qui contrastent justement avec la joie des Polonaises. Les Françaises, dans ce quart de finale, ne sont jamais entrées dans la partie. La défaite est d'autant plus difficile à avaler que le score est extrêmement serré, 22-21. On a complètement déjoué. Même en jouant mal, on réussit à revenir au score, on réussit à les tenir. Et quand il faut mettre les balles au fond, ben, on ne les met pas, quoi. Donc on peut s'en vouloir qu'à nous. Hein. On a été mauvaises. Hein, et puis ben, voilà. Hein. Donc ça fait chier. Quoi. Je suis dégoûtée parce que je voulais bien perdre ce soir, mais pas comme ça. Quoi. Donc c'est pour ça que je suis encore plus déçue. Nous, on a fait trop de cadeaux pour espérer gagner un match comme ça. Voilà, on sait où le bas blesse parce qu'on s'était remis dans le match après un passage à vide assez long en première mi-temps. On prend un 7-0. Malgré ce, on a réussi à inverser la tendance, à revenir dans le match. Mais on a fait trop de cadeaux et à la fin, on le paie cash. Tessa Worley a confirmé hier son forfait. Son absence laisse un gros vide au sein de l'équipe de France. Même si les troupes comptent bien se remobiliser rapidement, ça ne va pas être simple. Moi, j'ai perdu une collègue d'entraînement et une fille qui me tirait vers le haut aussi. Je suis dans une spirale où je ne suis pas très bien, mais j'ai envie de retrouver le plaisir et de me rendre compte que j'ai de la chance de skier. Donc ça va être ce vers quoi je vais tendre et puis si on peut gagner, bah, ce sera pour elle et elles reviendront plus fortes de toute façon.